Bien le bonsoir et bienvenue dans l'antre de la souille. Dans cette émission tout à fait spéciale consacrée au paranormal. Ensemble, de 20h50 à 23h, nous allons parcourir... Non, ce n'est pas vrai. Je mens. On est vraisemblablement sur un concept de vidéo qui n'est absolument pas le mien en général. On va pas se mentir. Cependant, je pense avoir des choses à dire dans ce domaine. Je vais vous parler de 5 secrets de tournage complètement what the fuck consacrés à l'univers des films d'horreur. Arrêtez! Oui, je vais y ajouter ma petite touche de souille, évidemment, sinon ce serait pas une vidéo impossible sur ma chaîne. Évidemment, mais réfléchissez un petit peu aussi. Corps phénomène paranormal. Wow. C'est donc ça de s'intéresser à ce genre de phénomène alors. Avant de commencer, prenez une bonne inspiration. Expirez doucement. C'est parti. Canin. On commence en grande pompe avec un des films d'horreur les plus connus, tout simplement. Tout le monde connaît ce fameux masque, hein, du mec coincé éternellement quelque part entre l'anxiété et la stupeur. J'avoue qu'on sait pas trop. Mais est-ce que vous saviez ce que Wes Craven, le réalisateur du film, avait dû faire à Drew Barrymore pour la mettre en PLS dans cette scène? Qu'est-ce que vous me voulez? J'appelle la police. Jouez avec moi. Non. Alors il va mourir. Non. Eh bien, le gars lui balançait tout bonnement des histoires, des saloperies d'histoires, d'animaux crevés. Voilà. Effectivement, elle lui avait confié qu'elle avait du mal à digérer ce genre d'histoire. Hein. Ça lui faisait beaucoup bobo au cœur, et donc, une petite corde sensible, et en venir. Je me suis évidemment demandé quel genre d'ambiance régnait sur le plateau pendant cette scène. Voilà, rapproche-toi de la porte d'entrée maintenant, c'est ça. Y'a quelqu'un? Tu m'entends là? J'encule ton chat, Drew. Quoi? Je lui fais une nouvelle portée et je m'en fais une carbonade, Drew. Arrêtez! Le massacre des dauphins au Japon, ça te parle, Drew? Hein? Non, non, pas ça! Eh ben, sache bien que les recettes de ce film iront financer de nouveaux instruments de torture, Drew. T'y penses à ça? Je te chie à la gueule, t'es qu'une merde, Drew! Je resterai quand même au téléphone! Et coupé, c'était parfait! On peut l'applaudir! Allez, on va tous la consoler, là, hein, avant d'aller manger un petit burger charal. Je déconne, merde! Sauvetage tardif. Les films d'horreur qui mettent en scène des gosses qui subissent des événements paranormaux, ça peut s'avérer, de base, assez compliqué. Mais quand, en plus, tu te lances dans un scénar où l'un des gosses se fait étrangler par un clown, t'as plutôt intérêt à pas te louper sur la technique. Faut savoir que Spielberg et Hooper ont bien failli tourner le dernier film de leur carrière avec cette scène. Le gosse s'est tout bonnement retrouvé avec une poupée clown beaucoup trop enjaillée autour de son cou, hein, à deux doigts de suffoquer le gosse. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils s'en sont pas rendus compte directement, hein. Ils pensaient que c'était le jeu d'acteur du petit bonhomme, tu vois. Eh ben, je suis étonné, tiens. Franchement, vraiment bon, le kid. J'aurais dû le prendre sur E.T. Du souffle, en tout cas, hein. T'es sûr qu'il a jamais fait de natation? Il manque quelque chose. René, resserre un petit peu plus. Voilà, c'est ça, un petit peu, ouais. Voilà, là c'est parfait. Magnifique, prenons encore un petit peu, prenons un petit peu de marge. Ouais, t'as raison. Voilà. C'est seulement quand il a commencé à tourner au purpre qu'ils se sont dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas là, hein. On ferait peut-être bien intervenir, je sais pas. Et coupé, c'est parfait, c'est dans la boîte. Il s'étouffe là, il est au purpre. Gamin, ça va? La souille au féminin. Souvent, dans les films, il faut répéter plusieurs fois la même scène. C'est normal, il faut essayer de trouver la scène la plus crédible, celle où tu te fais transpercer le plus élégamment possible. Alors quand il s'agit, par exemple, d'une... Voilà, je dis ça tout à fait au hasard. D'une scène érotique. Je veux bien croire que ça doit pas être désagréable de recommencer plusieurs fois. Mais quand tu dois recommencer plusieurs fois, une scène où tu joues une femme apeurée qui court dans les escaliers avec un couteau parce qu'elle se fait courser par son mari qui est devenu complètement fou, ça doit être un petit peu fatigant. Elle a répété cette scène 35 fois. Pour vous donner une idée, c'est comme si elle venait de monter les 1576 marches de l'Empire State Building, voilà. Mais qu'est-ce qu'il me prend? On va pas se mentir, j'espérais qu'elle trébuche dessus, hein. Oh, ça joue sûrement sur le physique et ça peut effectivement jouer sur le moral, tout à fait. Petite précision qui vaut son pesant d'or, la plupart du temps, le réalisateur ne précisait pas pourquoi elle devait recommencer, hein. Pareil pour les 127 fois où elle a dû recommencer la scène de la batte de baseball. Ah bah ils ont tout simplement eu leur place dans le Guinness Book des records, hein, c'est pas une dalle. Je peux comprendre le niveau de frustration de la meuf, hein. Réponds! T'approches pas de moi! Coupé, c'est nul, on recommence. Mais why? J'avoue, pourquoi? Elle était pas mal celle-là. Ouais, elle était même très bien, ouais. Mmh. On en avance sur le timing, donc autant la faire bosser un peu, hein. T'es le meilleur, Stanley. Allez, bouge ton cul, en place.
Quand on sait qu'elle est tombée malade à multiples reprises pendant ce tournage, tellement elle prenait cher, tout ça pour récolter une nomination au Résie de la pire actrice de l'année, hein, il y a de quoi devenir fou. Elle a déclaré fin 2016 avoir croisé Robin Williams. Et s'est fait agresser par le shérif de Nottingham tout de même. C'est pas un... Le shérif de Nottingham, c'est lui, hein. C'est pas un personnage qui existe vraiment dans la vie, en fait. Habitude inappropriée. Ah, Carrie. Non, je ne vais pas m'attarder sur le titre. La vanne serait beaucoup trop simple. C'est quoi, Carrie, c'est genre l'histoire d'une meuf qui va chez le dentiste ou quoi? Ferme-la. Et genre, elle découvre qu'elle a une méga carie ou quoi? Ferme-la. Mais genre, jusqu'à la racine. En résumé, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire d'une jeune collégienne qui est un petit peu le bouc émissaire de son collège, hein, qui finit par découvrir, lors d'un ultime souillage, qu'elle a des pouvoirs surnaturels. Cette histoire ne concerne que le film de 76, pas le remake de 2013. Si je vous disais que le sang qu'elle reçoit sur la tronche n'est autre qu'un mélange de sirop et de colorant, ça ne sonnerait pas du tout comme un secret de tournage. Bah non, c'est nul. Par contre, si je vous disais qu'à l'origine, la meuf voulait absolument recevoir du vrai sang sur la tronche, là, on est sur quelque chose d'un peu bah plus... Bah non, c'est nul. Non mais toi, t'as pas d'âme aussi. C'est une âme, hein. Ah, sur un plateau de film d'horreur, ça peut très vite déraper. Ça va couler entre mes seins, j'imagine. Ah ben ça, probablement, oui, oui. Pourquoi? Raison de plus pour que ce soit du vrai sang, n'est-ce pas? Raison de plus, c'est-à-dire? Bah débrouillez-vous, tirez à la courte paille, faites quelque chose. Pourquoi tu veux tirer à la courte paille? Ouch, je me suis blessé. Ça saigne un petit peu. Ça saigne un petit peu. Je crois qu'on a un petit souci avec Cécile, oui. J'ai besoin d'aide. Oui, tout de suite, tout de suite. Aidez-moi, s'il vous plaît. Saignez un peu, faites un truc. Et comme si c'était pas suffisant dans ce délire un petit peu glauque, hein, elle a tenu absolument à dormir 3 jours avec ses vêtements souillés. Ok, ça marche, bonjour tout de suite. Bon, Cécile, c'est bon, t'as fini tes conneries? L'incarnation du souillage. C'est pas rare que pendant un tournage, un réalisateur utilise des petites astuces hors caméra pour préparer ses acteurs. Mais William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, a repoussé les limites du possible, tu vois. Il a vraiment été assez loin dans le non-respect de ses acteurs. Un premier petit exemple, hein, avant de faire tourner les caméras, ça lui arrivait de temps en temps de shooter des balles à blanc au hasard, comme ça, avant la scène, histoire de bien mettre en pépette tous les acteurs. Qui rend déchu aux flammes de l'enfer. C'est bon? Tout le monde est en place? C'est bon pour moi. Ok, 3, 2... Malade! C'est ça, un couille molle, va! Sors de ce corps, j'ai oublié mon texte maintenant! Autre exemple, le réalisateur s'est mis en tête de réfrigérer tout un plateau, histoire de voir à la caméra ce fameux souffle glacé de personnage. Tu sais, quand tu es un petit peu en chien. Mais de grâce, délivre-nous du mal. Sauve-moi, Seigneur, par ton nom béni de tous. On va crever, père. C'est du con! C'est votre fille? Coupé! De n'importe quoi, hein. Tu ne sais pas lire un texte, c'est ça? Il faut qu'on t'apprenne à lire. Edouard, apporte-moi quelques petites chaufferettes là pour mes petites chaussures. Ah oui, je sens que c'est la fin. Allez, en place. Attends. Mon pied a pas suivi, ça c'est la meilleure alors. Pire encore, mais ça c'est vraiment déconné. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça sur un plateau. Peut-être parce que je n'y suis jamais allé, peut-être, c'est possible, effectivement. Le réalisateur allait jusqu'à mettre des tartes aux acteurs, histoire de bien les énerver avant leur scène. Osez me dire ça! Un petit peu ici, là, fais-moi voir ton maquillage. Oui, tourne-toi comme ça, oui. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air bon, hein. Il vient de me gifler, ce con. C'est pour le bien du tournage. Si c'est pour le besoin du tournage, ok, mais Mais ça suffit, maintenant! J'aurais peut-être essayé de mon côté, tiens. Jackie, viens t'y veux voir. Ben c'est déjà terminé là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous avez aimé ce petit concept, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut imaginer toutes sortes de suites, hein, il y a plusieurs infos qui sont cachées. Oh, je ne vais pas devenir une chaîne de top, hein, ne vous en faites pas. C'est juste des petits délires, ça me fait kiffer. Et j'espère que ça vous fait kiffer aussi. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, hein, avec apparemment, semble-t-il, Avatar, hein. J'imagine que le fait que ce soit des personnages bleus n'y est absolument pour rien dans votre décision, hein. J'en suis convaincu. C'est ça, ouais. Allez, à vendredi prochain. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat.